Les cinq mondes, ravis de vous accueillir ici et surtout joyeux Noël. Heureuse de vous présenter ce bulletin météo de ce vendredi 26 décembre. Sans plus tarder, on commence du côté de l'Europe avec l'influence d'un vaste anticyclone. On sera baigné de soleil sur la péninsule ibérique, mais pas seulement sur l'Hexagone et la Suisse où à Genève il fera 5 degrés. C'est moins le cas sur les îles britanniques. On est sous l'influence d'une perturbation pluvieuse qui pourrait occasionner quelques chutes de neige vers l'Écosse. Quelques champs nuageux en marge de cette perturbation circuleront à Oslo, il fera moins 8 degrés, ou sinon on attend des chutes de neige à Prague, mais aussi du côté de Tallinn ou de Kiev, où les températures pourront descendre à 0, voire moins 1 degré. Ou sinon, on a l'influence d'une perturbation et surtout d'une dépression près de la Grèce. Résultat, on a un ciel gris et pluvieux entre Tirana et Belgrade, mais notez qu'à Rome, on n'aura rien à signaler de ce genre. Plutôt de belles périodes ensoleillées, un mercure de 12 degrés. Survol du monde, c'est à l'instant. On va commencer par le Canada, mais surtout les États-Unis. L'influence d'une perturbation neigeuse apportera encore quelques chutes de neige du côté de Denver, où il fera moins 7 degrés, tandis que vers New York, il fera très lumineux. L'activité pluvieuse aura cessé, ou en tout cas, ce sera amoindri sur l'Amérique centrale et le nord du continent, mais se réactive vers le Paraguay, le nord de l'Argentine. Ailleurs, on retrouve de belles périodes ensoleillées, soleil généreux aussi sur l'Angola, la Namibie, un peu moins sur la Zambie, le Botswana, le Zimbabwe et sur le golfe du Guinée, ça sera beaucoup plus faible en termes de pluie. Un temps sec et lumineux entre Casablanca et Tripoli, notez quelques orages de chaleur qui pourront se déclencher à Djeddah et le mercure à la hausse à Riyad. Ou sinon, on est à l'abri de la perturbation qui circule en Russie, à Kaboul, moins Almaty où il fait 3 degrés gris et pluvieux. Toujours cette zone de convergence que vous connaissez, hein, qui s'étend maintenant de Bangkok vers Dili, le nord de l'Australie. Ailleurs, c'est du soleil, un soleil généreux. On sera sous l'influence et protégé par l'anticyclone en Nouvelle-Zélande. Et surtout, c'est la Nouvelle-Calédonie qui sort son épingle du jeu sous les îles du Pacifique. Ici, on retrouve l'influence de l'anticyclone avec de belles périodes ensoleillées à Pékin, moins avec quelques entrées maritimes à Shanghai. Et ici, des cumulus qui porteront quelques pluies. Ici, il fera frais à Séoul, frais aussi au Japon avec quelques chutes de neige à Sapporo. Et pour terminer ensemble ce bulletin, des images de Croatie, pour être précise, Dubrovnik, où il fait très doux, 14 degrés, d'où ce monde affluent dans les rues. Merci de nous avoir suivis, bonne fête de fin d'année et surtout, prenez bien soin de vous.